change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Vous pouvez comprendre avec moi que l'émotion est très vive. Il est évident que c'est une réjouissance d'avoir une fille qui réussit comme ça. Mais rassurez-vous que toute séparation est toujours un choc. Vas-y. Je t'apporte la boisson. Ce que je peux lui dire, c'est seulement se souvenir de chaque parole que je vais sortir. Et surtout de s'accrocher à la parole de Dieu et respecter son nom. Je sais ce que les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de moi. La façon que je vais prier, c'est la base de toute la vie. Parce que tu nous as ainsi honoré. C'est ton œuvre qui fait que mon cœur soit rempli, rempli de joie. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui Maintenant, je suis tout près de toi.
Rwandais, ouest, voulez-vous prendre pour il pour Monsieur Nekono Lufuma Fassinia ici présent. Oui, je le fais. Sur la base de vos consentements, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Si compliqué, loin de toi. Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong. It's bringing mercy, it won't be long. It won't be long. Healing rain is coming down. It's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame. Wash forever in Jesus' name. The healing rain, it comes with fire. So let it fall and take us higher. Nekono Lufuma, vous devez accepter cette femme, votre soeur, Chanel Pouès Boukaka, comme votre épouse légitime. Oui, je le promets. Lift your heads, let us return to the mercy seat where time began. Mon cher époux,
Et nous prions que tu bénisses ce jumeau et cette jeune femme qui ont trouvé de l'amour dans leur cœur l'un pour l'autre. Dans cet âge de souciance dans lequel nous vivons, beaucoup de divorces se font dans les foyers qui n'en sont pas ainsi avec ce couple. Puissent-ils se rappeler de ce vœu aussi longtemps qu'ils vivront, qu'il n'y a aucune puissance pour les séparer. Maintenant, Père, par la puissance de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, je prononce maintenant cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Photographe pour immortaliser l'événement.